Cour constitutionnelle déclare ouverte son audience de ce jour en matière pénale. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait du rôle de ce jour. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière répressive, appelle à son audience publique de ce lundi 16 octobre 2023. À 15h précise, l'affaire suivante. Affaire en continuation. Une seule cause, les RP002, ministère public, contre Matata Ponyo Mapo, Christin, Robler Christo Stéphanie et Mutumbu Nyembo de Ocrasse. Fait à Kinshasa le 11 octobre 2023. Les greffiers principaux. Signé greffier principal, Théophile Sassanyala, directeur. Merci, monsieur le greffier. La Cour appelle la cause sous RP002, affaire ministère public, contre les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin, Mutombo Mwananyembo Deogracias et Globler Christo Stepanus. Maître, vous pouvez parler, on va l'écouter. Bonjour, monsieur le président. Comparé pour prévenir Matata, je suis avocat après la Cour de cassation et le Conseil d'État. La défense est assurée conjointement. Maître Safari Mouloumé, avocat au barreau après la Cour d'appel de Kinshasa Matete, conjointement. Maître Onyemba Djongandek Laurent, avocat au même barreau. Mais comme ça, attendez que les autres prévenus comparaissent d'abord. Le prévenu Mutombo Mwananyembo. Les prévenus doivent être de ce côté-ci, en face de la Cour. Et les prévenus Globler Christo Stepanus. Ah oui, pour le prévenu, je sais. Pour les prévenus Globler, son interprète est malade, mais il y a un autre interprète, M. Betoumouléa, Marcel. Vous parlez couramment, vous pouvez interpréter. Et étant donné que vous n'êtes pas assermenté, vous allez prêter serment selon les prescrits de l'article 50 de la procédure pénale. Vous pouvez lever la main et dire « Je jure de remplir fidèlement les devoirs de ma charge. » « Je jure de remplir fidèlement les devoirs de ma charge. » La Cour vous donne acte de votre prestation de serment en tant qu'interprète. Donc là, vous pouvez faire votre office d'interprète du prévenu Globler. Oscar Loutala, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement. De vous, conseil Katenga, je suis avocat au barreau près la Cour d'appel du Congo central. Les comparitions, pour acter les comparitions. Maître, vous avez la parole. Votre client n'est pas là. Merci, monsieur le président. Le 5 octobre. La défense nous a tenu informés de la situation et l'état de santé qui ne cessait de se détériorer. Et cela avait conduit notre client à vous informer qu'il devait voyager pour l'étranger où il devait bénéficier des soins les plus appropriés. Et à l'occasion de ces consultations, il a été fixé une intervention chirurgicale ce lundi, 16 octobre. Cela devait avoir lieu à partir de 10 heures.
ce qui ne pouvait pas lui permettre d'être présent. En outre, il est prévu un contrôle scanographique post-interventionnel pour la date du 30 novembre 2023. Et si les résultats sont satisfaisants, notre client pourra rentrer au pays. C'est pourquoi il a chargé son équipe de défense de vous tenir informé de toute la situation, de solliciter à l'audience de ce lundi une remise de 60 jours pour lui permettre de venir comparaître personnellement. Voilà, Monsieur le Président, l'information à notre disposition. Merci beaucoup, Maître. Monsieur le Procureur général, vous avez la parole pour votre avis quant à cette demande. Ça ne serait pas très long dans la mesure où je me sens lié par votre prise de position lors de l'audience dernière, où vous aviez clairement dit, je ne sais pas si lorsque vous dites quelque chose, on considère que c'est des paroles en l'air, c'est des décisions de la Cour. Que donc, la fois passée, parce que vous avez dit que la remise était contradictoire, je m'incline à cette décision et je considère que votre Cour est valablement saisie et devra exécuter sa décision de la fois passée. Voilà ce que j'avais à dire pour ne pas m'étendre en long sur cette question. Merci. L'audience est suspendue. Venez retrouver vos... Merci, Monsieur le Président. L'audience suspendue est reprise. Monsieur le Greffier, vous pouvez nous lire la décision de la Cour à l'audience passée. Merci, Monsieur le Président. Je lis juste le dernier paragraphe. Non, toute la fin d'audience. Audience publique du 25 septembre 2023. Siégeant, Kamuleti Badibanga Djedoné, juge président. Wa Sena Songa Corneille, juge. Mavoum Jean-Pierre, juge. Vous avez fait longtemps la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de juge président. Merci, monsieur le greffier, pour son rappel. La Cour oui, Maître. Merci. La lecture qui nous est faite, nous avons suivi minutieusement la position du parquet. Nous nous rappelons encore les termes de votre orientation à l'audience passée, telle que coulée dans l'affaire d'audience, mais que nous n'avons nullement ici le droit de brandir ce qui est coulé comme caprice. Nous voulons uniquement en appeler au sens élevé d'humanité de la Cour, parce que tout en étant conscient du fait que dans cette affaire, il y a d'autres Congolais qui ont le droit d'être fixés sur leur sort, mais que
la personne qui est principalement poursuivie s'avère être M. Matata. Et conformément à la Constitution, si c'était un théâtre, on n'aurait pas ramené ces rapports médicaux. Nous connaissons chez nous, il arrive des fabrications, des documents. Ici, il s'agit d'un hôpital sérieux de l'étranger qui retrace la situation sanitaire calamiteuse de M. Matata. Je veux bien rester dans l'esprit des obligations et des devoirs qui sont les nôtres vis-à-vis de la Cour. Je veux bien rester dans la sérénité parce que c'est qu'il s'agit d'un procès pénal. Je veux bien rester dans l'esprit de la Constitution sur le fait que tout le monde a le devoir que sa cause soit entendue dans les meilleurs délais, mais qu'il n'y a pas un juge de la maladie. Il n'y a pas un juge du temps. Monsieur le Président, Monsieur et Dame de la Haute Cour, ministère public, on ne peut pas juger un membre. C'est comme ça que chaque fois qu'il y a décès, même au cours d'un procès, vous en savez la conséquence. Dans l'esprit constituant, on est juste quelqu'un qui a des facultés intellectuelles et physiques. Parce que ça peut entamer la défense. Nous n'avons nullement l'intention ici de retarder l'affaire. Encore que nous avons beaucoup de choses à dire. Les batteries des préalables sont disponibles. Maître, ça, la Cour est déjà bien fixée. Nous voulons donc terminer en disant, Monsieur le Président, que la maladie n'a pas d'avis et n'envoie pas d'appel d'offres. Monsieur Matata est malade et si vous voulez bien accéder à notre demande pour que Monsieur Matata revienne, et cette démarche ne commence pas ici. Si c'était une aventure, il n'aurait pas pris le soin de vous écrire. Et ici, M. Matata a aussi écrit à la Chambre parlementaire à laquelle il appartient. Mais, comme vous connaissez un peu, on le dit chez nous, on ne sait pas pourquoi on ne réagit pas. La culture de l'écrit est remplacée par l'oralité. J'ai pensé l'autre fois à un surveillant qui doit d'abord donner l'aval pour qu'on réponde à un courrier d'un compatriote qui est malade. Nous avons la sérénité que vous allez accéder à notre demande pour que M. Matata revienne, conformément au prescrit du secteur médical qui est dans le dossier, pour que cette affaire évolue et Matata ne fuit pas la justice. Il n'a ni mal l'intention de se soustraire. Nous l'avons dit. Merci beaucoup, maître. Monsieur le procureur, je vais vous donner la parole pour vos répliques. Merci beaucoup, monsieur le président, madame et messieurs de la Cour. Juste une précision parce qu'on a fait allusion au fait que ici chez nous, on peut fabriquer vraiment des faux. Ici chez nous, je suis organe de la loi, je représente la société, et cette société, c'est la société congolaise, la RDC. Donc on ne devrait pas dire que la RDC argumente des fois devant les prétoires avec des documents faux et qu'il n'y a que l'étranger. C'est très grave de faire cette affirmation. Voilà ce que je voulais préciser. Et il vous appartiendra à vous, Monsieur le Président, Madame et Monsieur de la Cour, d'en tirer les conséquences. Et j'ai réitéré ma position de m'incliner quant à la remise contradictoire à ces jours. À l'égard de toutes les parties, j'ai dit je vous remercie. Oui, maître, nous risquons de perdre beaucoup de temps juste pour ces préliminaires. Allez-vous, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si je n'ai pas été mal cité, alors on ne m'a pas bien compris. J'évoquais les caractères sérieux du certificat médical qui est à notre portée. Je n'ai pas dit qu'ici chez nous on les fabrique, mais on ne va pas non plus nous dire que nous ne savons pas que dans notre pays, on peut trouver des médecins qui peuvent émettre des documents, qui peuvent laisser le débat à la cour.
aussi le ministère public est l'accusateur. C'est la cour qui décide. Mais nous, nous déposons nos moyens et les justifications parleront la cour. Nous disons à la cour que M. Matata est malade. Parce que si nous voulons nous adresser au ministère public, lui-même a déjà eu à dire que cette affaire vous est revenue. Je ne sais pas ce que ça veut dire. RP001, RP002, il fallait attendre une année pour que l'affaire vous revienne. Il sera servi. Il ne faut pas qu'il se précipite. Nous disons ici que M. Matata est malade. Qu'on ne puisse pas s'occuper des nuances élémentaires. La question reste fondamentale. C'est l'état de santé. Merci, maître. Nous avons attendu. Monsieur Foucault, je vous avais à dire. Non, monsieur le président, j'ai déjà tout dit. L'audience est suspendue. C'était peut-être par habitude, l'audience était suspendue. Quand l'audience est suspendue, la cour peut entrer, vous pouvez être assis, debout, ce n'est pas un problème parce que l'audience n'est même pas encore ouverte. Oui, oui, c'est pourquoi je dis que c'est une bonne habitude du prétoire. L'audience suspendue est reprise. Les parties prévenues reviennent à la barre. A reçu la demande du prévenu même absent et comme elle l'a souligné la fois passée, il est un impératif et surtout que c'est une cour constitutionnelle que les prévenus, parce qu'ils sont nombreux, soient fixés le plus rapidement possible sur le sort qui leur est réservé dans ce procès. Et c'est ce qui fait que la fois passée, la Cour a permis de façon péremptoire que tous les prévenus devaient être là physiquement. Aujourd'hui, la Cour rejette la demande présentée par les avocats du prévenu Matata et retient le défaut en son égard. Monsieur le greffier, retenez que la Cour retient le défaut à l'égard du prévenu Matata et prie les avocats du prévenu Matata de se retirer de la barre. Merci. Nous continuons l'examen de cette cause avec les deux autres prévenus. Merci pour la compréhension. Nous rappelons les incriminations qui ont été ou qui sont mises à charge des prévenus. À charge de prévenus Matata Pugno Mapon, Augustin et de Globler Christo. À voir. Étant auteur ou co-auteur selon l'un des modes légaux de participation criminelle prévu par l'article 21 du Code pénal livre 1er, étant fonctionnaire ou officier public, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, détourner des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre leurs mains, soit en vertu, soit à raison de leur charge, en l'espèce, avoir à Kinshasa, ville de ce nom, et capitale de la République démocratique du Congo,
sans préjudice des dates précises, mais entre les mois de novembre 2013 et novembre 2016, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, agissant par coopération directe, étant respectivement agent public de l'État, notamment Premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo pour le premier cité, et dirigeant de la société Africom Commodities pour le second cité, détourné par plusieurs moyens, notamment par l'octroi des avantages financiers, la surfacturation, la constitution des sociétés d'écran, le détournement des procédures et la non-exécution des travaux d'aménagement de la route du site et de la construction des écoles de formation et d'autres ouvrages, la somme globale équivalente en francs congolais de 115 997 106 $ américains qui était remise à la société Africom Commodities pour la gestion du parc agro-industriel de Bukangalonzo, projet mis en place par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1973. À charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deo Gracias. Avoir, étant auteur ou co-auteur, selon l'un des modes légaux de participation criminelle prévus par l'article 21 du Code pénal livre 1er, étant fonctionnaire ou officier public, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre leurs mains, soit en vertu, soit à raison de leur charge. En l'espèce, avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que dessus, comme co-auteur, agissant par coopération directe, étant agent public de l'État, respectivement Premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo pour le premier cité et gouverneur de la Banque centrale du Congo pour le second cité, détourner la somme globale équivalente en francs congolais de 89 millions de dollars américains destinés à la construction du marché international de Kinshasa. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1973. Voilà pour les incriminations. Prévenu Globler. On revient sur cette question-là. Avez-vous des antécédents judiciaires connus? Non. Prévenu Mutombo, avez-vous des antécédents judiciaires connus? Nous venons de vous lire les préventions qui sont retenues contre vous. Pour les prévenus Globler, les détournements d'une somme de 115 997 106 000 $ américains. Vous allez intervenir, maître. Maître, j'ai dit que vous allez intervenir. N'oubliez pas que nous sommes en matière pénale. La Cour sait que vous êtes là, elle vous passera la parole. Mais s'il y a un minimum de procédure qu'elle doit faire, laissez la Cour évoluer. Et pour les prévenus Mutombo,
c'est le détournement de la somme de 89 millions de dollars américains. Oui, maître. Oui, monsieur le président, vous rappellerez que la défense de M. Mutombo avait averti qu'elle avait un certain nombre de préalables que vous voulez présenter à la Cour avant même qu'on puisse commencer éventuellement l'instruction de cette affaire. Vous veniez de le rappeler, nous sommes en matière pénale et comme vous le savez, au terme de l'article 109 de la loi qui organise le fonctionnement de votre cour, ici c'est la procédure pénale de droit commun qui est d'application. Et la citation a prévenu que vous venez de lire, Monsieur le Président, à l'encontre de M. Mutombo, contient un certain nombre de vices que nous voulons présenter à votre cour. Vous savez, Monsieur le Président, qu'en la matière, le droit applicable est l'article 57 du Code des procédures pénales. Et nous considérons que cet article, cette disposition légale, a été violée. Et c'est comme ça que nous voulons vous présenter ces violations pour en tirer toutes les conséquences de droit qui s'imposent. Pour ce faire, je vais passer la parole à mon confrère, Maître Patrick Lelou, qui va présenter à la Cour. Avec votre autorisation, Monsieur le Président. C'est moi qui passe, donc avec votre autorisation, je vous prierai à mettre Patrick Lelou. La Cour passe la parole à Maître Patrick. Et je me suis demandé si la Cour était saisie par les charges telles que lues ou par les charges telles que consignées dans la citation que notre client. Et je crois que la loi est claire en la matière parce qu'on nous a cité le code de procédure pénale. La Cour, comme toute juridiction de droit écrit, est saisie par la citation. Rubens l'a écrit, et ça, ce sont des conventions. Nous n'en revenons pas, nous ne revenons pas là-dessus. Et la Cour doit être saisie par les charges telles que consignées dans les fonds. Je me permets, votre honneur, de lire. Pour notre client, il lui est reproché, je ne sais pas si nous avons le même acte, mais je crois que c'est la citation à prévenir qui nous sert de document de référence, pour avoir, étant auteur ou co-auteur selon le mode légaux de participation criminelle, prévu à l'article 21 du Code pénal premier, étant fonctionnaire ou officier public, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte, en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre. Tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre leurs mains, soit en vertu, soit en raison de leur charge. En l'espèce, voilà ce qui nous intéresse. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps qui dessus. C'est français, virgule, comme auteur, agissant par coopération directe, étant agent public de l'État, respectivement Premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo pour les premiers cités, et gouverneur de la Banque centrale pour les seconds cités, détourner la somme globale équivalente en francs congolais de 89 millions destinée à la construction du marché central, du marché international de Kinshasa, fait prévu. Votre honneur, avoir cette citation, d'abord, elle est unipersonnelle. Elle vise M. Mutombo Mwananyembo Deogracias seul. Et lorsqu'il est présenté, il dit, d'ailleurs, son identité est donnée, profession président du conseil d'administration de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Il est seul dans l'histoire. Or, en français, nous venons d'héberger la francophonie, quand on dit premier et second, on doit avoir au moins dans l'acte, au moins deux noms. Et là, il est tout seul. Et lorsqu'on le présente, on dit, le premier cité, c'est qui? Il ne sait pas si c'est lui. Et lorsqu'on voit dans le procès, j'ai suivi, lorsque le greffier était en train de donner lecture de l'extrait du rôle,
Leurs rôles sont inversés. Tantôt c'est Matata, Problème et Nyembo. Tantôt c'est Matata, Nyembo, Problème. On ne sait pas qui est premier, qui est deuxième. Parce qu'en français, quand on a trois éléments, le mot second ne se comprend pas. Je crois qu'il y a encore des indices de la francophonie dans les kiosques de la ville. Ça, c'est un petit élément. Mais ce qui étonne, on vous dit dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que déçu. Qui dessus? Or, dans l'espoir qui n'a que deux pages. Mais les dessus, là, quand on lit, il n'y a rien sur les lieux, il n'y a rien sur le temps. Alors que l'article 57 dit, l'espoir doit contenir les lieux et la date des faits. Mais quand on dit que dessus, est-ce que dessus? Dessus, c'est un lieu, oui. Un lieu général, le ciel, c'est pas l'atmosphère. Mais ici, les lieux de fait n'est pas donné parce que c'est une exigence légale. Et ça s'est fait quand? L'exigence de temps. Et généralement, quand on voit le petit ouvrage avec lequel tripotent les inspecteurs, on vous dit, d'ailleurs, le ministère public, quand on fait encore le travail, il dit avoir à Kinshasa ville de ce nom dans telle période non encore couverte par la prescription de l'action publique. Au moins, on est fixé sur le temps. On est pressé, pas pressé. On veut bien en finir, mais que les choses se fassent proprement. Je n'oublie pas, votre honneur, que je me trouve devant la Cour constitutionnelle. Et d'ailleurs, à la toute première audience, avec l'expression d'une rigueur, vous avez tourné le dos vers le greffier pour lui dire que le travail devait être bien fait. Vous avez franchi cursus depuis les juridictions de fond. On ne peut pas concevoir, nous sommes devant la Cour constitutionnelle, et tout se plaît de par la Constitution. La loi se doit être respectée. Et dès lors que l'exploit contient cette carence substantielle-là, il est une vieille décision qui vient de Beaumont, en 1902, qui dit l'exploit doit contenir en lui-même des preuves de sa validité. La partie citée ne peut être obligée de chercher en dehors de la citation, pas en dehors des charges libellées verbalement, les précisions qui y manquent. Et quelles sont les précisions qui manquent? C'est les lieux notamment et le temps. Et on va les chercher où? Ce n'est pas l'instruction, non. L'instruction doit partir de l'acte d'accusation. On ne va pas commencer à lui dire c'était en tel lieu, en tel autre lieu. Je pense que le ministère public était très sévère en disant il faut respecter ce qui est écrit. Au-delà de votre décision, il y a d'abord la loi. Et de ce fait, votre honneur, ça jette une obscurité parce que la partie ne sait pas sur quel fait elle doit céder. Et pour cela, votre honneur, ce cas s'est déjà posé. Nous sommes allés interroger vos dévanciers. Excusez-moi le terme. J'ai ici les bulletins des arrêts de 75 où une espèce similaire s'est posée ou s'est présentée à la Cour de cassation à l'époque. Et à l'époque, vous étiez dans le rein de la Cour suprême constitutionnelle. Et votre honneur, je vous lis les extraits de cet arrêt prononcé le 25 mai 1974 avec comme président de chambre Bayon Abamea. Je pense qu'il est bien connu de tous. Et ça m'a un peu servi de savoir qui avait présenté ce moyen. Je vois un conseil nommé Paul Gossens, bien connu, et un certain Maya Racon. Ça, ce sont des icônes et des idylles du barreau. Et à l'époque, l'exploit, comme ici, avait des carences. J'ai voulu des passages. On vous dit par exemple que, attendez que la citation telle qu'elle est libérée ne contient pas l'indication de la nature des différents faits tels que dont le prévenu devait répondre. Et ensuite, attendu que la citation telle qu'elle est libérée a dû porter atteinte au droit de la défense du prévenu, qui en recevant signification n'a pu connaître la nature exacte des différents faits dont il devait répondre. Attendu que cette citation a en outre mis la Cour d'appel dans l'impossibilité de pouvoir circonscrire sa saisine, ici quant au lieu et au temps. Et évoluant votre honneur, la Cour a dit que dans ces conditions, on dit qu'en l'absence d'une citation prévenue reprenant correctement la nature des différents faits constituant le... La Cour aurait dû se déclarer être dans l'impossibilité d'interroger les prévenus. Comment va-t-on l'interroger sur des faits non préalablement portés dans l'exploit introductif, à savoir ici
la citation a prévenu. Vous avez cette référence, c'est l'arrêt prononcé, nous avons dit, le 25 mai 1974, qui se retrouve dans les bulletins des arrêts de 75, les bulletins des arrêts de la Cour suprême de justice à l'époque. Et que donc, est-ce que l'espèce diffère? Non. Nous sommes allés plus loin, votre honneur. Nous prenons l'article 19 de la Constitution qui dit « Toute personne a le droit de se défendre ». Mais pour se défendre, il faut savoir contre quoi on doit se défendre. L'accusation a eu son temps de bien ficeler. Lorsque je prends Rubens, par exemple, dans le tome 3 de l'instruction criminelle et la procédure pénale, qu'est-ce que nous dit? Les juges sont saisis des faits tels qu'ils sont repris dans la citation. Pas dans un libellé, dans la citation. Et la citation renseigne des carences monstrueuses qui ne lui permet pas de cerner la défense. Et la mesure de la compréhension étant la compréhension du prévenu, je pense qu'on ne va pas lui imposer une compréhension carentielle, d'autant plus que, comme nous l'avons dit, la date et les lieux de fait ne sont pas connus. C'est là le trompe à quoi? Il y a d'abord une difficulté de saisine parce que vous ne saurez pas circonscrire les faits. Et c'est là le trompe aussi dans ce qu'on appelle l'obscurité du libellé. Lorsque l'on n'a pas compris, l'espoir est obscur. Et là, lorsque je viens au tome 2 de Rubens, il dit que la partie qui intente le procès se doit de présenter les faits de manière claire et intelligente. Et le ministère public ne déroge pas à cette loi. Surtout que je rappelle ici, l'article 66 de la loi organique, de la loi portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, lui donne la charge de surveiller, on dit bien surveiller, l'application des actes législatifs, c'est-à-dire la loi. Mais ça devient grave lorsque celui qui a surveillé la loi est cette personne qui se met à la violer, au nom de l'accusation ou au nom de quoi? Alors qu'il y a des principes sacro-saints. Le même Rubens enseigne, nous sommes dans son tome 2 sur la procédure, il dit ceci que, parlant de ce qu'on appelle l'exception de la nullité de la demande. Ici, nous sommes dans une action et l'on ne comprend pas, les choses étant présentées de manière floue, en principe, il conclut, c'est le point, je crois, 80 de son tome 2, sur l'irrecevabilité. Parce que le contrat judiciaire ne peut pas être tissé dans ces conditions. Notre client n'ayant pas compris, je vous dirai, c'est la mort d'un homme qu'il est toujours venu pour savoir de quoi on me reproche. Là, on lui parle d'un montant de 89 millions. C'est un financier, ça le dit. Mais ça part de quoi? L'accusation, ce n'est pas les 89 millions. Mais ce sont les faits qui doivent être présentés comme le législateur l'a voulu, votre honneur. Donc, nous violons l'article 19 de la Constitution. Pire, votre honneur, lorsque nous prenons le pacte international des droits civiques et politiques dans son article 14, si je me permets de lire, si je peux le retrouver, il est dit ceci, tous sont égaux. Ça a été signé à New York le 16 décembre 1966 et ratifié par la RDC le 1er novembre 1976. Et il est dit dans cet article 14.3, tous sont égaux devant les tribunaux de cour de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. Donc le ministère public n'a pas d'avantage légal et publiquement par un tribunal compétent. Indépendant, nous voyons d'où est tiré notre article 19, impartial, établi par la loi qui décidera soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le point 3, je saute les autres points. Cette partie doit être, a le droit d'être informée dans les plus courts délais, dans une langue qu'elle comprend. Déjà, second, alors qu'il est troisième, il ne comprend pas si c'est un autre français qui nous a été apporté par ces dernières francophonies. Dans les plus courts délais, dans une langue qu'elle comprend, dans la langue que lui comprend, second veut dire qu'il n'y a que deux sujets et on ajoute, et de façon détaillée, votre honneur, détaillée. Ce n'est pas en synthèse, ce n'est pas avec des omissions dans une citation de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle. Donc, accueillir une citation à prévenu de ce genre discréditerait même la Cour constitutionnelle.
constitutionnel. Nous sommes devant une obscurité flagrante et je ne sais pas comment fera-t-on pour plâtrer cette carence-là, votre honneur. Et pour finir, l'autre entrée de conclure même à la mauvaise direction de l'action. Il est présenté dans l'exploit comme étant le président du conseil d'administration de l'ARCA. Mais lorsqu'on prend la citation, on vise un certain gouverneur et un certain premier ministre à se poser la question. De quel premier ministre s'agit-il? Pour autant que le ministère public lui-même, par le turbidité des rattrapés, n'ayant pas renseigné sur le temps, il nous laisse penser que c'est le dernier premier ministre. Alors, si c'est le dernier premier ministre ou le dernier gouverneur en date, alors ce n'est pas lui. De ce fait, nous tombons dans ce qu'on appellerait, votre honneur, la mauvaise direction de l'action, parce que la loi ayant demandé qu'on identifie la personne qu'on amène au procès, celle qui est présentée comme gouverneur ici n'est pas cette personne-là qui doit se retrouver devant cette loi. Nous avons cherché Rubens, nous avons cherché Gossens, qui était belge, nous avons cherché, comment appelle-t-on, Maya, qui était haïtien. Mais j'aimerais quand même citer un auteur congolais, votre honneur. Il n'y a pas très longtemps, dans une œuvre de l'esprit, qui a un discours, un auteur qui n'est pas de moindre dit ceci. C'est à l'occasion d'une solennité. Il dit, le siège de la Cour constitutionnelle sera le palais, non seulement de justice, mais le palais de la Constitution. Il ajoute, cet auteur de renom, il dit, on dit, cette bâtisse, en sa qualité de gardien de la foi, de la loi fondamentale, elle restera le symbole durable de justice et de la sublimation. Vous voyez, j'ai cherché, je ne sais pas, 5 dictionnaires pour avoir le sens du mot sublimation. C'est-à-dire porter au zénith, pour ceux qui peuvent encore comprendre, et de sublimation, quoi ? Les droits individuels, notamment ici les droits de la défense, au sommet de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire la première chose à préserver, c'est les droits de la défense. Nous vous avons cité quelques instruments. Et cet auteur de renom rajoute, votre honneur, il dit poser une première pierre, c'est poser un jalon pour l'avenir. Et là, il continue, c'est se tourner vers le futur et s'inscrire dans la durée. Ce n'est pas des choses éphémères. Et là, nous l'avons senti même dans la manière de construire les débats. Il dit, nous avons foi en l'avenir, ça c'est sa confession de foi. Ainsi la Cour constitutionnelle incarnera pour les générations futures sa grandeur, sa noblesse et sa splendeur. Tout. Je ne peux pas aller laisser cet auteur-là et aller à l'essentiel. Oui, votre honneur. Et cet auteur a fini par dire, je cite, tout se résume à ce qu'on attend de cette institution, la qualité du droit qui sera dit enfin que le peuple se retrouve grandi. Je pense que tout étant réuni, votre honneur, vous aurez compris avec nous, le droit de la défense ne pouvant pas être sacrifié à l'autel de la carence. Notre client, M. Deo Gracias, qui nous a toujours tapé, on a reçu des appels tardifs. Maître, c'est quoi cette accusation? Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant un contrat judiciaire extrêmement carencé. Heureusement que le ministère public est dans son box, on ne l'a pas mêlé à vous, parce que vous n'allez pas partager cette œuvre imparfaite, que vous sanctionnerez votre honneur. Voilà au moins comment on pose les jalons de l'avenir, en disant qu'en 1974, une telle citation est illusoire. Une telle citation ne saurait pas fonder notre saisie. Une telle citation contient une mauvaise direction. Une telle citation est obscure. Avec comme conséquence, c'est le rejet, votre honneur. J'aurais bien voulu, avec votre autorisation, nous avons compris que nous soyons complétés parce que nous n'avons pas le monopole de la science si c'est long que votre autorité le permettra. Nous l'avons dit. Merci, maître. Il y a encore une intervention. Non, monsieur le président, nous réservons le droit de répliquer si jamais il y a un argument du ministère. Mais vous savez qu'après vous, le ministère public ne peut que réagir. Donc, si le réagir à l'énervant non moyen, nous allons répliquer. Si la Cour vous le permet. Si la Cour vous le permet. Merci. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour réagir. Merci, monsieur le président, madame, monsieur de la Cour. Une allusion qu'on a dû faire à la question de savoir comment on devra
faire le plâtrage de ce qui est relevé comme omission. Monsieur le Président, Monsieur, Madame et Monsieur de la Cour, il n'y aura rien à replâtrer. Quels sont les faits? Les faits portent substantiellement sur le détournement de 250 millions de dollars décaissés par le gouvernement congolais pour la réalisation du projet parc agro-industriel de Bukangalonzo. Ce sont ces faits-là et c'est ce montant-là qui a été détourné. Alors, quand est-ce que ces faits sont survenus? Ces faits sont survenus entre novembre 2013 et novembre 2016. Et ces faits, Monsieur le Président, Madame et Monsieur de la Cour, procèdent d'une unité de but et d'intention qui animait tous les prévenus auxquels il se rattache, comme bien sûr plusieurs effets. Ces infractions successives ne constituent en définitive qu'un fait pénal unique. Ce fait pénal qui est libellé à la prévention, quand je vois ici la requête au frein de fixation, le titre 2, libellé de prévention, c'est le titre qui reprend ces faits uniques et qui retrace la période durant laquelle ces faits uniques est survenu, novembre 2013 et novembre 2016. Et ainsi avons-nous libellé de cette manière-là parce que, effectivement, ces faits qui constituent un fait unique qui s'y est situé dans une période bien déterminée que je viens de vous donner, ne peut être que la période à laquelle nous pouvons renvoyer les libellés qui suivent en renvoyant effectivement à la période que nous avons retracée. Donc, on ne peut pas nous opposer le fait que pour n'avoir pas repris, nous avons repris parce que nous renvoyons à ci-dessus. Ça, c'est de 1. De 2, lorsqu'on nous dit que nous confondons le titre du premier prévenu avec le titre du second prévenu, ce n'est pas exact parce que je lis très bien ce qui est écrit. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux de temps qu'il est dessus comme coauteur agissant par coopération directe plutôt, étant agent public de l'État, respectivement Premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo pour le premier, et gouverneur de la Banque centrale du Congo pour les secondes cités. Il n'y a pas de confusion. Et aussi, j'ai suivi, on a dit que le prévenu Mutombo Mananiembo s'étonne qu'on lui oppose le fait d'avoir détourné 89 millions de dollars. Voilà les faits pour lesquels il est poursuivi et sur lesquels il va se défendre. Il est des principes de droit que une irrégularité qui ne porte pas grief. Qu'est-ce qu'on tire comme conséquence? Parce que le prévenu comprend bien qu'il est poursuivi pour détournement de 89 millions de dollars. Eh bien, ce sont ces faits-là. Entre quelle période? Eh bien, c'est le titre 2 de notre libellé où nous avons repris effectivement la période de novembre 2013 à novembre 2016 comme fait unique auquel nous renvoyons. Voilà, Monsieur le Président, Madame et Monsieur de la Cour, ce que nous avions à dire sur ce point, en disant qu'il n'y a pas obscurité du libellé, parce que, comme on l'a dit, on a cité les jurisprudences de 1975,
Moi, j'ai dit que la même Cour suprême de justice était dans le même sens dans la cause inscrite sous le RPA 83-84-86-87-88 qu'on peut retrouver dans le bulletin des arrêts de 1984 à la page 449. C'était prononcé dans le sens que je viens de vous énoncer. Et c'est même dans ce sens aussi, s'il faut extrapoler, que la chambre criminelle de la Cour de cassation française se prononce en appliquant la règle suivante, des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique. C'est l'unique action que nous avons libellée et que nous avons située dans l'État. Donc, la même Cour suprême s'est déjà prononcée et ici, là, j'ai dit, la Cour de cassation française s'est aussi prononcée dans le même sens, et ils trouveront ça dans Cassation criminelle 26 octobre 2016, numéro 15-84-550. J'ai dit, je vous remercie. Merci, monsieur le procureur général. Non, maître, nous sommes sur un incident, n'est-ce pas? Vous soulevez, écoutez. Le ministère public a répondu, la Cour préfère se décider par rapport à ce que vous avez présenté. Il y a des éléments qui énervent, il y a vraiment des éléments qui énervent. Maître, la Cour ne vous a pas accordé la parole. S'il y a des éléments qui énervent, la Cour clôt les débats par rapport à ces exceptions soulevées, elle clôt ces débats-là. S'il y a des éléments qui énervent, vous êtes dans la pratique et vous savez que d'ici 48 heures, vous pouvez déposer vos notes de plaidoirie. Là, vous allez étayer et rencontrer ces éléments-là. Et là, maître, vous n'avez pas la parole. Prenons cette habitude-là de respecter la Cour. Vous n'êtes pas devant les gens de la rue. Vous êtes avocat. Vous parlez quand la Cour vous donne la parole. Vous n'êtes pas adversaire de la Cour. Quoi de mal que la Cour vous dise, elle clôt les débats. Quant à ce, elle prend la cause en délibéré. Vous perdez quoi en déposant vos notes de plaidoirie? Vous perdez quoi? Ou alors vous voulez juste parler, or ce que vous dites là peut ne pas être entendu correctement par la Cour. Mais si vous le couchez par écrit, nous allons lire et nous allons répondre. Les débats sont clos. La Cour reprend ses exceptions en délibéré. Oui, maître. Il y a d'autres exceptions à soulever. Peut-être que je ne comprends pas du tout la méthode de la Cour. Parce que nous, puisque le problème, le devenir puisque le problème, n'est pas poursuivi en corréité avec le prévenir de l'occasion. Par rapport aux histoires qui existent au dossier et à l'histoire qui a été signifiée à tous. Christo a ses exceptions à lui, comme il compte se mettre à l'église. Maître, si vous avez des exceptions, ce n'est pas un problème de méthodologie de la Cour. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez apprendre à la Cour comment diriger les débats. C'est tout à fait, vous êtes libre parce que vous ne vous étiez pas prononcé quand c'est l'autre partie. Et nous avons considéré qu'ils ont terminé. Si vous avez des exceptions, mais vous demandez, nous avons des exceptions à faire prévaloir devant la Cour. Est-ce un problème de méthodologie? Ou vous voulez aujourd'hui que la Cour rentre dans votre école pour que vous nous appreniez la méthodologie? Nous répétons à l'égard des conseils. Les règles de procédure sont connues de tous. Si nous pouvons tous les respecter, nous allons évoluer normalement. Ne venez pas avec des propos qui frisent... c'est ça le mot. Le mépris vis-à-vis de la Cour, ce n'est pas normal. Vous êtes avocat, tenez-vous à ce que vous devez le faire, parce que tous nous sommes là pour que... la justice soit bien dite et que la lumière puisse jaillir. C'est ça notre objectif à tous. Vous avez la parole pour vos exceptions, maître. Merci de la parole, monsieur le président.
l'action de la Cour, à l'irrécevabilité de cette action, à l'incompétence de votre auguste Cour, à la surséance, et enfin, à la mise hors cause. S'agissant de l'irrécevabilité de cette action, nous voulons d'abord revenir sur l'exploit que vous saisissez vis-à-vis du prévenu Christo. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, la citation à prévenir qui a été signifiée au prévenu Christo ne lui permet pas d'organiser sa défense parce qu'elle est teintée d'obscurité. Quand vous lisez cet exploit, il est difficile. Avoir à Kinshasa, ville des Sénats et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice des dates précises, mais entre les mois de novembre 2013 et novembre 2016. Ne fût-ce que sur cette phrase, M. Christo ne se retrouve pas. Parce que la convention qui lie African Commodity à la République démocratique du Congo, la toute première, la convention de gestion qui gère le dossier, a été signée en février 2014. Et lui, en 2013, il n'était pas au pays, il ne connaissait pas l'affaire Bokamalonzo. C'est une pièce qui gît au dossier. Aujourd'hui, on lui demande de répondre des faits qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas. Il dit ici qu'il y a obscurité délibérée et violation de l'article 57 du Code de procédure pénale. En évoluant toujours, tout ce qui est libellé ici, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, agissant par coopération directe, étant respectivement agent public de l'État, notamment Premier ministre du gouvernement de la République pour le premier et dirigeant de la société African Commodity pour le second, détourné par plusieurs moyens, notamment l'octroi des avantages financiers. Mais lui-même se pose la question, quel type d'avantage? Il fallait qu'on précise qu'il s'agit de tels avantages, comme ça il va préparer sa défense. Il risque d'être surpris en séance tenante. On dit par exemple avantages financiers, le détournement des procédures et la non-exécution des travaux d'aménagement de la route. Bon, quel type de procédure? Parce que lui-même se pose la question, il s'agit de quelle procédure? Il est passé devant le parquet avant d'être parlé vers vous. Et le parquet ne lui a jamais dit que tu as violé telle procédure. Curieusement, on lui reproche de procéder. Mais finalement, comment va-t-il démontrer devant votre ministre qu'il s'agit de telle procédure? Il se sent vraiment dans l'impossibilité d'assurer sa défense. Et tantôt, on lui dit les détournements des procédures et la non-exécution des travaux d'aménagement. Là, il est perdu. Parce que quand il interroge les conventions qui les lient à la République, il ne sait pas organiser sa défense. Nous ne voulons pas revenir sur la littérature parce qu'elle sera consignée dans notre note de plaidoirie. Par rapport à ces moyens, vous allez déclarer cet exploit irrécevable pour violation de l'article 57 du Code de procédure pénale. Deuxième moyen, Monsieur le Président, Monsieur et Dame de la Cour, depuis le dossier RP001, Monsieur Christo avait déjà soulevé plusieurs exceptions, lesquelles n'ont pas été rencontrées par votre auguste Cour, parce que la Cour, en se fondant sur l'une des exceptions soulevées par le prévenu, ma tata s'était déclarée incompétente.
La même démarche a été faite devant la Cour de cassation. La Cour de cassation, en se fondant également sur l'une des exceptions soulevées par les prévenus, Matata s'était aussi déclarée incompétente. Et c'est comme ça que nous sommes retournés ici. Aujourd'hui, Christo voulait bien soumettre à votre auguste cour ces exceptions pour qu'il soit réellement convaincu que vous êtes compétent pour les juger. La première exception liée à votre compétence est tirée du fait même de la nature de cette affaire. Peut-être que nombreux ne les connaissent pas. Kangalozo, c'est une société commerciale agréée au code des investissements avec les arrêtés d'agrément. C'est un investissement avec tous les documents. En tant que tel, tous les différents relatifs à Kangalozo échappent aux juridictions étatiques. Ça veut dire que vous, Cour constitutionnelle, en tant que juridiction étatique, vous ne pouvez pas ouvrir l'affaire au Kangalozo. Voilà comment nous les démontrons, monsieur le président, monsieur de la Cour. En prenant d'abord la citation à présent, cette incompétence-là liée à la nature du différent relatif aux investissements est tirée même de ce qui est libellé dans la citation à présent. Il est écrit dans cette citation que les sommes détournées, soit la somme globale équivalente en francs congolais de 115 997 000 francs dollars américains, qui était remise, donc la somme remise à la société Africaine Commodity pour la gestion du parc agro-industriel Kangalozo. Et voilà ce qui est écrit toujours, hein. Les détournements de procédures et la non-exécution des travaux d'aménagement. Nous sommes ici dans le cadre de l'exécution du contrat qui lie Africaine Commodity, dont Christophe est le directeur général, et la République démocratique du Congo. Voilà ce que dit maintenant ce contrat, qui consacre même votre incompétence. Parce que votre incompétence est tirée des contrats signés par Africom et la République. À l'article 29, parce de ces contrats, monsieur le président, peut-être que vous allez constater pourquoi nous vous amenons ici, c'est pour vous démontrer encore que vous êtes incompétent. On dit les défauts d'exécution de ces obligations. Les défauts d'exécution de ces obligations constituent un manquement au présent contrat. Or, la non-exécution des travaux pour lesquels Africom avait perçu l'argent constitue déjà un manquement au regard de la convention que Christo a signée avec la République. Et dans la convention de gestion, tout comme dans la convention d'actionnaire, la convention de gestion a été annulée, il y a maintenant la convention d'actionnaire qui est en vigueur. Tout ce qui est écrit dans l'espoir constitue des manquements aux obligations des parties. Et la procédure est prévue pour chaque partie. Ici, dans les cas d'espèce, la République démocratique du Congo et Africom, pour se faire rétablir dans ses droits. Mais ce n'est pas à vous de venir constater que l'argent a été remis à Africom et que l'argent n'a pas servi à cette fin. Alors que les parties ont déjà prévu la procédure en cas de non-respect ou en cas de violation des obligations contractuelles. Donc, vous êtes déjà incompétents. Du fait même de la nature de ces litiges, les parties ont déjà, se sont déjà choisis un juge qui va régler cette affaire. Monsieur le Président, là j'anticipe, parce qu'on vous amènera le fameux principe connu de tout juriste moyen, de l'autonomie du droit pénal.
dans les pays où cette discipline a tellement évolué, la réponse a été déjà trouvée. L'autonomie du droit pénal en droit des investissements ne s'applique que quand il y a violation des droits humains. Mais dans le cas d'espèce, toutes les solutions aux problèmes posés par le ministère public trouvent déjà des réponses dans les contrats avec les parties. Et vous, vous êtes juge étatique, vous n'êtes pas compétent. Deuxième exception des compétences, c'est tiré de la présence de la clause arbitrale dans les contrats qui lie notre client à la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, en principe, la question ne devrait pas se poser. Quand la clause d'arbitrage est précisée, elle est destinée à dessaisir tout tribunal étatique. Mais vous, vous n'échappez pas à cela. Vous êtes une juridiction étatique. Ici, que le tribunal ait été saisi ou non. Or, dans le cas d'espèce, M. Christo, depuis 2016, avait déjà saisi le tribunal arbitral. Nous avons des preuves. Sa requête est là. La réponse de la juridiction invitant M. Christo à venir prendre connaissance de la requête, des réactions ou des conclusions de la partie étant par rapport à la saisine de l'arbitrage. Christo qui en avait déjà marre du comportement de la République démocratique du Congo. En écrivant plus de 20 lettres qui demeuraient toujours sans réponse, avait déjà saisi l'arbitre. Et aujourd'hui, si vous vous permettez de condamner Christo, et qu'au niveau international, on condamne la République démocratique du Congo, ce n'est pas à vous qu'on doit rappeler la force obligatoire et exécutoire des sentences arbitrales dans le cadre de cette affaire qui relève du droit des investissements. Donc, Monsieur le Président, vous allez constater que vous êtes incompétent. Mais si vous estimez par magie que vous êtes compétent, conformément au bon droit, oui, si vous estimez, Monsieur de la Cour, que vous êtes compétent, au regard de la législation congolaise, vous allez décréter la surséance. Parce que Christo a déjà saisi l'arbitrage international et il existe même une lettre du ministre d'État de la République démocratique du Congo qui demande à M. Christo que, au lieu d'aller à l'arbitrage international, revenez au pays en RDC pour négocier avec la République. Et tout ce temps, Christo est en train de négocier avec la République démocratique du Congo par rapport à l'affaire Boutangalos. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, mais c'est fort possible que les citoyens congolais aient trempé dans l'illégalité, dans la mégestion. Pour ne pas empêcher la justice congolaise de faire son travail, vous allez les mettre hors cause. Parce que lui, il a des conventions qui les lient avec la République. Peut-être que nous le savons tous, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, quand on parle de la dette publique, c'est toujours... Oui, oui, Monsieur le Président. Madame et Monsieur de la Cour, merci beaucoup. Il n'y a pas que de monsieur. Oui, merci beaucoup. Madame et Monsieur de la Cour, Monsieur le Président, peut-être que nous le savons tous, quand on interroge la dette publique de la RDC vis-à-vis de l'extérieur, en majorité, elle est issue des sentences qui condamnent notre pays. Dans le cas d'espèce,
vous, en tant que haute cour de la République, vous avez ce pouvoir d'incarnation de protéger les engagements que la République signe avec les étrangers et que vous ne pouvez pas connaître cette affaire. Monsieur le Président, depuis le 001, nous avions déposé un mémoire qui n'a pas été rencontré. Nous allons les reconduire en essayant de l'adapter par rapport au 001, au RP 002 pour que Louguiste Bou nous rencontre. On attend impatiemment la réponse de la Cour par rapport aux moyens exceptionnels. Peut-être que vous les connaissez, M. Christo est soucié de voir la justice trancher cette affaire, parce que jusqu'à ce jour, il s'estime la plus grande victime. Il mettra à votre disposition toutes les lettres adressées à la République qui démontrent que la République ne peut pas connaître de cette affaire, les notes techniques adressées au procureur près la Cour constitutionnelle en son temps, pendant les, RP001, au procureur près la Cour, au procureur général près la Cour de cassation, où il a démontré. Et il m'a chargé aussi de vous dire qu'il est toujours étonné de la manière dont les choses se passent. À peine auditionné sommairement, en prenant rendez-vous pour qu'il apporte des preuves, demain, il apprend que l'affaire est fixée. Alors que si c'était instruit normalement au niveau du parquet, on ne prendrait pas beaucoup de temps à l'auditoire. Monsieur de la Cour, Monsieur Dame de la Cour, Monsieur Dame de la Cour, Monsieur le procureur général, quand vous allez vous retirer dans les secrets de vos délibérés, vous allez d'abord regretter cette action irrécevable pour violation de l'article 57. Parce que Christo ne sait pas. Quand vous allez vous lui demander sur cet écran, il fallait que ça soit précisé pour qu'il amène peut-être les documents. Quand vous allez lui demander sur papier. Quand vos confrères qui défendent les prévenus Mutombo ont parlé, vous avez vu que le premier qui a parlé n'a pas conclu. Il a demandé qu'on le complète. Mais vous, vous avez parlé, vous avez conclu. Mais vous voulez qu'on vous complète comment? Parce que vous avez conclu. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour réagir à ces moyens. Merci, monsieur le président. Je voudrais d'abord donner une petite précision parce qu'on a fait allusion aux nouveaux collègues qui sont les critères. Il y en a peut-être qui nous suivent, c'est vrai. Je vous demande en même temps de vous dire, de dire une action irrécevable, de dire en même temps que vous êtes incompétent. Ça ne se dit pas comme ça, parce qu'il ne faudrait pas que les jeunes magistrats suivent ça, ce n'est pas exact. C'est-à-dire, s'il y a ces moyens-là qu'on veut présenter, on dit comme si, à titre principal, vous direz que vous êtes incompétent. Et à titre subsidiaire, si par impossible vous estimez que vous êtes compétent, vous décréterez l'irrécevabilité. Voilà ce que les jeunes magistrats doivent suivre, non pas ce que j'ai entendu dire là. Voilà pour la précision. Alors, pour le surplus, je dis, mais on oublie vite. Je ne sais pas si on lit ce qui nous lit ici. Les prévenus Grobler, Stéphanos Christou, n'est pas poursuivi une vie tout personnelle. Il est poursuivi en participation criminelle avec les prévenus Matata. Quand il dit, bon, nous ne comprenons pas comment on nous dit qu'il y a des avantages financiers que nous avons accordés, nos réalisations des travaux, nous ne comprenons pas tout ça. Oui, il ne peut pas comprendre parce que, monsieur le président, madame, monsieur de la Cour, vous n'avez pas encore instruit la cause. Parce que quand vous instruirez cette cause ici, nous vous dirons comment est-ce qu'effectivement ces infractions ont été commises par ces moyens-là
Et comment est-ce que le prévenu Gobelet a participé à cette prévention par les éléments de participation qui doivent être connus? C'est élémentaire, ça aussi. Alors, quand on dit qu'en 2013, il n'y avait ni contrat de gestion, ni convention d'action, mais ce n'est pas exact. Ce n'est pas parce qu'on a signé un contrat de gestion en 2014, je crois, qu'on prouve ici qu'on n'a pas été en contact avec les prévenus Matata pour les faits commis en novembre 2013. Et là, nous rappelons encore, nous ne le poursuivons pas seul comme il est là, nous le poursuivons en participant comme co-auteur aux infractions dont l'auteur principal, on l'a dit par la défense de la partie du prévenu Matata, l'auteur principal qu'on poursuit, ils ont dit ça à raison, les principales. Ils ne sont que des accessoires, excusez-moi, ce n'est pas une injure, mais ils suivent comme co-auteur. Et pourquoi ils sont co-auteurs? Parce que c'est la Constitution de la République démocratique du Congo, à son article 164, qui l'a voulu ainsi, souverainement, en disposant que votre cour est compétente à l'égard des co-auteurs et complices du Premier ministre pour les infractions commises dans l'exercice de leur fonction. C'est à ce titre-là qu'il vient des voix. Sinon, effectivement, il ne viendrait pas. C'est une torture. Qu'est-ce qu'il vient de faire ici? Il est devant des juridictions inférieures. Cet honneur qu'on lui accorde de venir devant votre cour est organisé par cet article-là, décidément, 164 de la Constitution. Alors, on vous dit qu'il y a des manquements, qu'il y a une mauvaise exécution du contrat et que donc ça relève des règles de gestion d'une société régie par les cours des investissements. Mais c'est faux. Nous ne venons pas ici parce qu'on a peut-être mal bitumé la route ou parce qu'on a mal géré comment les fonds qui devaient être affectés à ceci, on affecte ceci, mais à le projet. Nous venons pour les infractions des détournements des deniers publics de la République démocratique du Congo. Dès que c'est par le trésor public, 250 millions de dollars. Et on vous dit, quand on a détourné ça, M. Blancourt et vous, les autres juridictions de la République démocratique du Congo, taisez-vous, nous allons ailleurs pour les fonds public et l'État congolais. Ça n'a rien à voir. Les clauses arbitrales, les tribunaux arbitrent aussi, on peut dire comme ça. C'est ça. C'est la gestion. Au jour le jour, on applique mal ce qu'on a convenu. Mais ici, entre eux, les parties là, c'est pas ma tata qui reproche à l'autre d'avoir mal appliqué, par exemple, leur convention ou leur contrat de gestion. C'est l'officier du ministère public qui a constaté qu'ils ont détourné les fonds de l'État. Et on vous dit que il y a une cote des investissements qui déroge à la compétence pénale des juridictions répressives parce qu'il y a un étranger. Alors on sait très bien que pour toutes les infractions commises en République démocratique du Congo, partout que ce soit, étranger ou un ange qui descendrait du ciel, qui résiderait momentanément sur le sol congolais, et serait poursuivi par les juridictions congolaises pour des infractions commises. Donc, on ne peut pas affirmer ça de cette manière légère, parce que 250 millions, bon, on croit
que c'est une petite affaire, mais c'est énorme pour les trésors publics congolais, c'est énorme pour le peuple congolais. Et le peuple congolais attend d'écouter où sont partis ces fonds-là, qui sont ces fonds. Et moi, quelqu'un vient vous dire, non, non, taisez-vous, peuple congolais, taisez-vous, tribunaux, parce que nous, c'est les tribunaux d'arbitrage. Ça n'a rien à voir, monsieur le président. On aurait désaisi les juridictions étatiques, bon, je ne reviens pas, je viens de le dire, par le tribunal arbitraire, je dis, on décide, nous ne poursuivons pas les prévenus pour la gestion, pour des détournements de nuit publique, tout ça en matière répressive, et donc la compétence d'ordre public organisée par l'État congolais n'est pas dérogée par cette fameuse clause qu'on nous oppose. Donc vous êtes totalement compétent et notre action est absolument réciprable dès lors que ils sont dans la suite du prévenu principal. Voilà, monsieur le président, ce que j'avais à dire, c'est les moyens qui ont été. Et là, je signale encore, je voudrais mettre l'accent parce que le peuple congolais nous suit. On est allé au tribunal d'arbitrage pour demander au gouvernement congolais de donner encore de l'argent. Parce que les 380 millions n'ont pas suffi. Il faut continuer à donner. On ne comprend pas. C'est pas. La République démocratique du Congo n'est pas une république bananière. Et voici l'occasion. Je vous donne, monsieur le président, madame et monsieur de la Cour, de redresser les torts subis par la République démocratique du Congo. Et quand vous l'aurez fait, cette souveraineté chèrement acquise sera, je pense, restaurée. Je dis, je merci beaucoup, monsieur le procureur général. Comme on l'a fait pour les prévenus Mutombo, s'il y a des réactions, faites-les dans vos notes de plaidoirie. Ce ne sont que des exceptions. Sur ce, la Cour clôt les débats quant aux exceptions et prend ces exceptions délibérées pour rendre sa décision dans le délai de la loi. L'audience est levée.